Les gars, c'est Silver, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur A Plague Tale Requiem, l'épisode 8 de la série. Les gars, on avait toujours avec Hugo et Amicia. Amicia qui s'était pris la dernière fois un coup sur la tête, les gars. Enfin, qui avait subi les conséquences de son coup sur la tête, son petit traumatisme là, c'est pas beau à voir. Hein. Elle s'était évanouie. Hugo a développé un nouveau pouvoir, le fait de pouvoir sentir justement avec les rats. La présence d'autres ennemis, d'autres personnes. Donc ça, c'est vraiment cool. On va continuer directement l'aventure. Comme d'habitude, installez-vous confortablement. Prenez à manger, à boire, des écouteurs ou un casque. Mettez-vous dans le noir et on est parti pour l'épisode 8. Ok. Donc là, je sais ce que je dois faire. Bon, on va utiliser l'inifère. On va passer de l'autre côté, étant donné que la dernière fois, Hugo a réussi à fumer les mecs qui veulent nous tuer. Là, je dois faire quoi, là? Je peux pas descendre. C'est génial! Je peux allumer là-bas? Est-ce qu'il y a un truc à faire ici, là? Ouais, des cadavres. Je vais allumer là-bas. Attends, est-ce que j'ai assez de trucs là? Je peux en construire un peu. Est-ce que j'ai des pots? Je n'ai pas de pots. C'est la merde. Pot de pois. Ok. Lancer de pois. Si je fais... Si je fais ça là-bas, genre ici. Hop. Non, je peux pas. En vrai, je peux pas allumer. Non, ça marche pas. C'est de la merde. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est pourri. C'est pourri. Ah bah voilà, putain de merde, en fait fallait que j'utilise la poids en fait pour passer. Je les entends toujours dans ma tête, ça siffle, tu les as contrôlés, comme avant, c'est différent, cette fois j'étais dans leur tête. Attention, ils ne doivent pas prendre le dessus, la macula veut te submerger, se nourrir de tes émotions. Tu dois faire très attention. D'accord. Ouais, ça fait flipper ça. Hein. Putain, en fait, fallait que j'utilise la poids pour pouvoir passer. Alors attends. Là, j'ai oublié de prendre la torche. Du coup, c'est ce qu'il fallait faire. On va descendre. Non, attends. Attends, frérot. Voilà. On va prendre cette torche. Ah, les cadavres, par contre, ça dégoûte. Voilà. On peut pas, on va pouvoir passer. Hein. Ok. Donc là, logiquement, ça va être bon. On va pouvoir passer. Dégagez, les rats. Dégagez. Voilà. Hop, il reste plus rien des corps. Oh là là, ça dégoûte. Dégoûtant. Je prends du loot en même temps. Je ne me gêne pas. Hop. Voilà. Je commence à avoir froid. Dépêchons-nous. Oui, ça va te réchauffer. Vite. L'arbalète. Ok, on peut pas encore améliorer. On n'a pas assez d'ingrédients, enfin d'accessoires. On n'a pas assez de loot. Est-ce que je peux passer à gauche là? On trouvera, non, c'est fermé. Attends, je vais juste voir au-dessus avant de continuer. Bon, Hugo, t'étais pas obligé de venir avec moi. C'est par là. C'est par là.
Mais avant toute chose, je regarde si cette porte est fermée, mais normalement elle doit être verrouillée, logiquement. Ah bah non, même pas. Non, je veux pas, je veux retourner. Bah non, je veux retourner dedans, connard. Regarde la taille de cet endroit. On va y arriver. Ne meurs pas. Pas encore. Non mais frérot... Les soldats, les rats, attention, je te protégerai. Grosse blague. Salut mec, ça va? Tiens. Voilà, on se casse. Il a un casque, ça sert à rien. Oula. Oula. Putain de merde. Quelqu'un se cache dans le coin. Cherchez partout. Tout de suite. On va me voir. Si j'ai de la chance. Est-ce que j'ai eu de la chance une fois dans ma vie? Je pense que oui. J'ai eu extrêmement beaucoup, beaucoup de chance. Ok, vite, je suis un peu gourmand, je prends du loot, c'est pas grave. Je me blex. Ah! Oh, c'est passé in extremis pour une fois. Hein. Oh, recule. Oh, il y en a beaucoup là-dedans. Ça pourrait nous aider. Ne bouge pas. Il y a peut-être un autre passage. J'avoue. En vrai, Quoi? Mais frérot, putain, je pouvais pas savoir que ça allait me fumer la gueule. Bon, ne bouge pas, il y a peut-être un autre passage. Donc là, ok, oui, c'est bon, calmos. Il doit y avoir un autre passage. Oh là là, lui il va me voir. Il va me voir. J'ai envie d'aller les tuer, les gars. En vrai, je peux pas contrôler les rats. Je vais contrôler les rats, je vais aller les tuer. Hein. Il y a trop de rats. Hop, sortez, bande de chiens. Ah, l'attaque. Oh putain, ça tombe. Lui, toi, tu tombes bien. Voilà. C'est cadeau, tu tombes bien. Je vais les fumer. Hein. Je vais tous les tuer. Tant qu'on y est, les gars. Tant qu'on y est, on va les tuer. Voilà, c'est tout ce que vous méritez, les gars. Calme-toi, reste concentré. Et hop là. Voilà. T'emporte pas. Tu dois garder le contrôle sur eux. J'ai le contrôle. Ça va, ça va. Oh putain. Oh putain, vite. Tu vas mourir, frérot. Voilà. Ah. Fini. Bien fait pour eux. Oui. Mais reste prudent. Oui. Ne fais pas putain, les rats. Plus erreur que moi. Non. C'est tout. Mais grosse blague. Mais c'est pas possible. Tu vas me dire, je peux pas passer par là. Les rats se focus sur moi. Direct. Là, je dois retourner tuer les mecs ou pas? Ouais, je dois retourner les tuer, je crois. Putain. Merde. Ok, on va recommencer. Hein. Il y a des rats cachés dans les cuves. Utilise-les. Oui, je vais faire un passage. Hop, voilà. Toi, je te bute après. D'abord, on va buter lui, là. Merde. Voilà, meurt. Vous allez mourir. Voilà. Calme-toi. Toi aussi, tu vas mourir.
Quelle mort horrible. Quelle mort horrible, et après il meurt. T'emporte pas. Tu dois garder le contrôle sur eux. Ok, on garde le contrôle. J'ai juste fumé les deux autres. Et après, il va falloir qu'on fasse gaffe. Ok, toi, tu vas mourir. Voilà, c'est parfait. Eux, là-bas aussi. Et il a de la lumière, lui. Il y a de la lumière. Ça va être compliqué. Ok, on attend. Fini. Bien fait pour eux. Ils sont en train de revenir, je crois. Mais reste prudent. Ils sont en train de revenir. Oui. Ne fais pas les mêmes erreurs que moi. C'est tout. Oh là là, oh là là, oh là là. Ah, ils sont en train de bouffer le cadavre. C'est bon, ils sont occupés. Par contre, faut que je fasse gaffe. C'est où l'objectif, là? Sortir de la teinte... Quoi? Teinturerie. Ok. Donc, c'est en face, je pense. Il y a un mec qui m'a vu là-bas. Oh là 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 là. On a perdu des hommes. Fouillez pas. Il y a quelqu'un qui rôde. Criez si vous voyez quelque chose. C'est une blague. Cache-toi. Cache-toi, frérot. Cache-toi, frérot. Ok. J'ai envie d'utiliser les rats. Ils sont trop loin. Ils sont un peu loin. L'autre est en train de bugger là-bas. C'est une grosse blague. Ils peuvent pas s'échapper. On fait quoi, Amicia ? Comment ça se fait, il est venu, les gars ? Dépêche-toi, dépêche-toi ! Cours. Bougez-vous, on a des cours. Chambre. Les gars, comment ça se fait? Il est venu avec nous dans les feuilles. C'est pas possible. Dans les trucs. Dégage! Je peux rien utiliser là. Merde, je dois même. Je vais utiliser les rats. Venez avec moi. Il y a des intrus. Non. Ah. Des intrus. Avec moi. Les gars, je comprends pas. Je comprends pas. C'est mal foutu leur truc d'intelligence artificielle là. Parce que là, c'est, y avait aucune raison qu'ils viennent dans les feuillages. J'ai utilisé un caillou. Frérot, pourquoi tu... C'est forcément eux. Oui, c'est... Avec moi. Monte. J'ai serré. Ça pue. Je sais que vous êtes par ici. Hein? Alors, hein? Ils sont là-bas. Ah, putain. Tu vas mourir. Ah. Tiens. Extinguis. Tiens. Oh fuck. J'ai pété une durite. On se calme. On se calme. Donc toi. C'est eux, j'en voilà. Suis sûr. Okay. Où vous avez filé? Montrez-vous! Mais comment ça se fait? Il vient dans les feuillages! C'est... Les gars, c'est pas possible. Encore un de leurs sales coups. Voilà. Il m'a pas vu, lui. Je sais que vous êtes par ici. Oui, oui, comprends. Tu sais, oui. Je crois que c'est bon. Eh ben enfin, putain! J'arrive pas à croire qu'on a
On se casse. Quoi? C'est une blague. Bonsoir monsieur, comment allez-vous? C'est une blague. Je fais quoi? Je m'occuperai du gamin aussi. Mais je fais comment, frère? Reste près de moi, Hugo. On oublie la corde. Merde. J'ai brisé le crâne. Je suis le bras armé de la loi. Tu m'as rien brisé du tout. Voilà. Amicia, regarde son dos. C'est ridicule. Oui. Ça marche pas, Amicia. Je le vois. Hop là! Hop là! Merde! On va utiliser le. L'extinguisse là. Voilà. Maintenant, on utilise un caillou. Quoi? Ah mais frérot, si tu me rajoutes des mecs, ça va pas le faire. Hein. Voilà. Comment je peux niquer? C'est quoi ça? Ok, faut le brûler. Non! Par qui je me suis fait tuer, les gars? J'ai pas vu. Merde. Bon, on sait comment le tuer là. Oh, oh bah du coup. Voilà, extinguisse de merde. Oui, je le vois. Amicia, ta blessure. Peu importe, je vais régler ça. Je m'occuperai du gamin aussi. Hop. Sur ces terres. Non, c'est bon. C'est bon, c'est tombé. Son armure est tombée. Là, je vais lui balancer de l'extinguisse. Voilà. Ça. Toi, t'es mort. C'est une blague. Mais... Oh putain les gars, je vais péter une durite. Je vais péter une durite. Te voilà enfin. Bon. Priez pour ton insolence. Apprête-toi à connaître la mort sûre de la bête. Quoi? Ok. T'es coincé. Je vais voilà. Sale sorcière. Je te fracasserai la tête. Voilà, faut directement... Les buter, eux. Voilà. Je vous tuerai. Je dois gagner du temps. Oula, oula, oula. Merde, merde. Voilà. L'autre, faut le fumer. Voilà, meurs. Faut lui balancer du truc. Non! Non mais là, je fais quoi là? Hop! Brûle! Putain! J'ai des pots. Je peux balancer peut-être un pot. Pot de. Je sais pas. Ça
C'est bon. Sens moins fort, d'accord. Enfin. Amicia, regarde son dos. Oui, je le vois. Quoi? Non. C'est bon, il est battu là. Non. Vous voilà. Bon sang. Voilà. On rebalance un pot de poids. Et on va le brûler. Voilà, meurt. C'est bon. Et ben enfin. Amicia, est-ce que ça va? Ça va. Ça va. On continue. Amicia! Amicia! Non! Tu saignes beaucoup. Là, c'est eux! Ils arrivent! Je peux pas. Tu vas devoir t'en occuper. Tu es sûr? Vas-y, vite! Let's go! Vous lui avez fait assez de mal! Garde le contrôle, Hugo! Go les fumer, voilà. Là tu meurs. Oh, il va perdre le contrôle, Hugo, hein. J'ai peur. Let's go. Oh, ils sont en train de venir vers nous. Vous êtes des monstres. Calme-toi. Je suis pas. Reste concentré ou tu vas. Let's go, let's go. Tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. Let's go. Vous entendez les gars, Hugo est en train de perdre le contrôle. Hein. Ça sent mauvais. Hein. Let's go. Allez, meurs. Tu dois arrêter ça, Hugo. Ça va trop loin. Oh putain. Wow. Il est en train de tuer tout le monde. Oh merde! Hugo, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Oh putain, chiotte! Oh, Hugo! Non! Merde! Oh, oh Seigneur! Seigneur! Oh, chiotte! Au cavale. Quoi? C'est quoi? Oh merde! Qu'est-ce qui se passe? Je vais nous sortir de là! C'est pas possible. Nous allons commencer. Wouah! C'est pas grave, Hugo. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Je suis avec toi. Je vais y arriver. Oh, c'est un bordel, les gars. Monte! Amicia, viens! Je peux pas! Allez! Amicia, vite! Je peux pas! Amicia! Allez, viens! Amicia! Non! Ça y est, on entame un nouveau chapitre criminel! On s'en est sorti finalement. T'es réveillé. Il t'a sauvé. Il dit qu'il nous amènera sur l'île. Il sait où aller. Elle s'appelle Lacuna. Attends. Et il trouvera un bateau. Quoi? Non. Qui lui? Amicia. Ouais, c'est compliqué là. Chez nous, on avait un chien, mais je le voyais pas beaucoup. Parce que tu pouvais pas sortir? Oui. Alors j'imaginais qu'on jouait ensemble.
Ah, je vois. On y est ? Où est le bateau ? Où il est ? J'espère qu'il est grand. Plus très loin. Je libère nos chevaux. Pour la fin, on va prendre un chemin plus sûr à pied. Des mouettes ! Je voudrais vérifier. Je peux ? Ça fait 2 jours, là. Bon. T'es raccommodé. Plus ou moins. L'estable est sûr à l'air libre. Oh, je nous a tondu les cheveux, là. Ça fera un peu mal de temps en temps. Respire et détends-toi. Il faut te dire que ta voix n'aide pas. Arrête de jouer les durs. Ça te réussit pas trop. Très bien. Alors dis-moi pourquoi tu es revenu. Pourquoi tu ne m'as pas laissé mourir? Dis-moi pourquoi je te ferai confiance. Pourquoi je ne devrais pas laisser les rats me débarrasser de toi une fois pour toutes. Mais c'est qui lui, les gars? Le comte a lancé son armée contre nous. La racaille de Provence. Beaucoup de mes hommes, mes amis, ont été tués. Où ont filé. Tôt ou tard, ils finiront par m'avoir aussi. Alors tu veux fuir? Oui. L'étau se resserre, mais vous avez peut-être la solution. Les rats. Le moyen le plus sûr d'échapper à la meute qui me court après. Je sais où trouver votre île. Tout ce que tu dois faire, c'est me garder en vie, jusqu'à ce qu'on y soit. Oui, j'arrive. Fais très attention. Ceci me rappelle à chaque instant que je ferais mieux de te tuer. Les gars, dites-moi qui c'est en commentaire, parce que je me rappelle plus du tout qui c'est ce mec. Parce qu'on... Alors, il semblerait qu'on l'a déjà croisé, apparemment. Tu sens cette odeur? Eh bien, je sens les chevaux et... Oh, Seigneur, c'est moi, ça. Non, ça sent les algues. Allez, viens. Attends, il faut qu'on parle. Pas maintenant, la mer est juste là. Hugo, c'est important. Yeah, oh, Hugo. Donne-moi tout ton or. J'espère que tu ne lui as pas dit tu pour tes rêves. Pour tout le reste. Hugo, reviens. Ah là là. J'ai pas envie de jouer. Je ne parle pas au poulet. C'est si dur pour toi d'être agréable, espèce de petit... Au moins, tu as l'air d'aller mieux. On va prendre le large. Hugo, tu ne m'as pas répondu. Venez, on n'est pas là pour admirer la vue. Dis-moi d'abord où nous allons. Vous trouvez un bateau, j'ai un contact. Qui ? Contrebandière, bateau rapide, discret, y a pas mieux. Parfait, encore des truands. Oui, faudra t'y faire. C'est ta vie à présent. Alors si tu veux aller à Lacuna après ton coup d'éclat, soit tu prends le bateau, soit tu vas à la nage. J'ai trop hâte de prendre le bateau. Ah, tu l'entends? Ça, c'est une bonne attitude. Ça, c'est une bonne attitude. C'est un enfant! Tenons avec tout ce qu'on traverse. Hein. Oh, regardez ce paysage incroyable. Je te rattrape. Hé, hey, attention! Merci. Bien. Surtout, ne m'attendez pas. Tu pèses ton poids. Ta sœur te nourrit bien. J'adore manger. Hé, hey, regardez en bas. Oh, arrêtez de courir comme ça. C'est lui qui fonce. Ralentis, petit gars. On a une blessée. C'est trop aimable. Du coup, on va prendre un bateau, les gars. Il y en a plein. C'est une armée d'oiseaux. On dirait bien. Je serai toi, je sonnerai la charge. Je peux, Amicia? Si tu veux. Mais reste bien en vue. Allez, soldats, chargez! Chargez! Si on avait... Bon, en vrai, il nous a aidés, mais je me rappelle plus qui c'est. On aurait battu les Anglais depuis longtemps.
Qu'est-ce que tu connais à la guerre? J'étais chevalier avant, en Guyenne. Oh, on vient de Guyenne. Un beau gâchis. C'est vrai. Ok. Vous m'avez vu charger? Oui, ils ne reviendront pas de sitôt. Je pourrais être un soldat. C'est sûr. Oh, je ne crois pas. Un jour, il sera assez grand pour choisir. On verra. Ouais, pour l'instant, on verra. Hein. Il met pas de fausses idées dans la tête, là. Ok, du poisson, ça veut dire qu'il va y avoir des rats. Ça a l'air calme. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Quelqu'un habite ici? Non, je ne pense pas. Wesh. J'aimerais bien vivre ici, moi. Juste devant la mer. Un couteau. Ça peut toujours servir. Attends, il y a quoi derrière? Ah. Oh. Regarde ça. Du poisson? Ça doit venir d'un oiseau marin. Une mouette? Sûrement. Et maintenant, elle est à toi. Tiens. J'aime bien les mouettes. J'ai cru que c'était une sardine que tu lui mettais dans le truc d'Hugo. Mouettrieuse ici. Quoi? Tu vois, t'en deviens une toi aussi. Viens, on s'en va. Allez, on y va. Par contre, je m'inquiète un peu pour Lucas et la maman parce que on s'est séparés d'eux, mais qu'est-ce qui leur est arrivé? Surtout Lucas, quoi. Lucas, c'est quand même le bro, hein. On y est. Me dis pas que c'est ça ton bateau. Bien sûr que non. Non. Mais ça y mène. Ah, ok. Tu vois ce poteau? Il y a une corde accrochée dessus. Tire le bateau d'ici pendant que je me charge de pousser. Tu peux faire ça? Ok. Pas sûr. Je suis tellement faible. Quand tu es prête. Appuyez sur triangle près d'un point d'ancrage. Pour interagir avec la corde, vous pouvez la tirer, déplacer ou faire tomber les objets qui y sont accrochés. D'accord. Bien. Continuez. Arnaud. Allez. Quoi? On tire. Bah c'était sûr. Merde. Ils t'aiment bien, on dirait. Ils ont failli m'avoir. Oui. Je suis malade, bordel. Allons, allons. Bon, libérons le chemin. Je pourrais les faire bouger. Ça s'est mal terminé l'autre fois. C'est pas pareil. Je peux y arriver. Oui. Essayons. Ouais, mais attends, on va utiliser ça en vrai. Hein. Voilà. Ok. Doucement, d'accord? Oui. Par là. Donc ils t'obéissent vraiment? Comment? C'est fait. Parfait. Allons-y alors. Ils vont pas nous suivre, hein? Je sais pas. Tu te trouves appétissant, toi? Sale morphale. Sans vouloir vexer, petit gars. Ok. Et du coup, le bateau, là, qu'est-ce qu'on fait? Faut le pousser, je crois. Attends. Ah, je peux monter dessus. En fait, c'est des crottes de mouettes. C'est par là? Ok. Passage secret. Donc tes contrebandiers sont par là? Oui, c'est un raccourci. Tu sais qu'il grouille de rats, ton raccourci? Oui. Ça veut dire aussi moins de soldats. Et on a le petit, non? Seigneur, je n'aime pas ça. J'espère que le bateau, il va être trop stylé. Il va être incroyable. Oh putain, il y a les rats. Il y a les rats. Quoi? Ils sont des millions. T'es content? On passe quand même. Parfait. Génial. N'aie pas peur. Sans blague. Hé, petit gars, ils t'obéissent. Balance-les tous dans la mer. J'en contrôle que quelques-uns à la fois. Ah, excellent. Hé, c'est quoi ça? Tu l'as utilisé contre mes hommes? De l'alchimie. Recette secrète. Je me fiche de la recette tant que ça marche. Tu verras. Ok, du coup, on a du poids... Non. Ouais, on va jeter ça là-dessus. Hein. Voilà. Et maintenant? Je peux pas en fabriquer, j'en ai pas assez. C'est quoi ça? Oh. Une flèche.
Bah, qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire. J'ai pas assez de loot. C'est quoi ça là-bas? Ok. Je sais pas ce que je peux faire là. Je vous avoue que je ne sais pas. Alors attends. Je réfléchis. Ok. Les gars, je vous avoue que là, c'est compliqué. Comment je vais faire? Je me fous en l'air ou pas? Oh. Il a sauté avec moi. Je suis mort. Non mais là, je sais pas trop comment faire. On va réessayer. Parce que j'ai utilisé le poids pour rien. T'es content? On passe quand même. Parfait. N'aie pas peur. Voilà. Sans blague. Hé, hey, petit gars, ils t'obéissent, balance-les tous dans la mer. J'en contrôle que quelques-uns à la fois. Ah, excellent. Ok, bon. Bah, à part allumer, je vois pas trop. Pas un truc à allumer, là? Franchement, je sais pas. Hey, voilà. C'est quoi ça? Tu l'as utilisé contre mes hommes? De l'alchimie. Recette secrète. Je me fiche de la recette tant que ça marche. Tu verras. Ouais, mais attends, là. Là, je sais pas comment faire, frérot. J'utilise ça? Ça sert à rien. Et ça. Ok. Les gars, là, je sais. Je vous avoue que je sais pas du tout. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je demande à Hugo de les contrôler, de les mettre là. Ok. Eux là. Ok. Ah mais c'est bon. Et là je lance du poids. Oula. Et attends, Hugo, vite. Voilà. Ah, c'est bon, je peux descendre. Vite. Monte, c'est bon. Vite. C'est compris. C'était un peu foireux, je sais pas si c'était ça la solution. Allez. Mais c'est un peu bizarre, hein. Bon, regarde. Les grottes continuent par là-bas. Voilà notre chemin. C'est ça, un raccourci pour toi? Oui, bon, avec ces rats... On devrait faire demi-tour. Non. J'ouvre la voie. Tu me suis et tu fais ce que je dis. Tant qu'on s'en sort vivant... Ce sera utile. Ce petit bâton... Suis-moi, point. Ok, attends, je ramasse vite des trucs, frérot. Attends 2 secondes. Voilà. Et maintenant, tu me suis. On a l'habitude avec Hugo, on a l'habitude. Reste près de moi. On y va. Voilà. Je te fais confiance. Me sers pas comme ça, ça me fera pas aller. Désolé. Hein? Et c'est assez dur de garder son calme. On l'a déjà fait plein de fois. Oui, ben, je vous plains. Voilà. Et voilà. Facile. C'est good. C'est exactement le mot que j'avais. Il y avait du loot, mais. Tu n'aimes vraiment pas les rats? Personne les aime, petit gars. Oh. Oh, oh, c'est quoi ça? Quoi? C'est quoi ça? C'est un nid. Oh, ne me dis pas qu'on doit aller là-dedans. Et si. On te ferait. Non. C'est ça, ou on reste ici. Un chariot. Que ton contrebandier ait dû l'abandonner. Un putain de nid. Pourquoi? Oh.
Oh, ça me rappelle... Ça me rappelle quelque chose, les gars. Ok. Voilà, on y va. Allez. Allez, respire un grand coup. On y va. Ça va être... Vous vous rappelez la scène avec Lucas ? Même le petit est terrorisé, là. Tu es sûr de toi ? C'est le seul moyen. La lumière du chariot nous protégera. Je ne suis pas prêt à ça. Cette odeur... C'est quoi cette chose ? J'en ai la chair de poule. Ils fabriquent ça... avec les choses qui les attrapent. Comme des gens. Bon sang... Tu as dit que vous étiez en Guyenne. Ça a commencé là-bas. Tu... Mais je l'ai pas fait exprès. C'est à cause de toi ? Il ne peut rien y faire, d'accord ? Nous aussi, on subit tout ça, comme tout le monde. C'est l'enfer qu'on mérite tous. Je veux que ça s'arrête. On ira à Lacuna. On te soignera. C'est de la foutre, bon sang. Ça fait quelle taille, ça ? Oh ! Ça pourrait être Géo. Oh ! Ici, c'est quoi ce truc? Attention. Ah ouais, ça c'est un nid de compétition. C'est vraiment un nid de compète. Oh, quoi? Merde! Attends, je m'en charge. Hop. Attends. Comment je fais? Faut que je t'éclaire. Voilà. Oui. Oh, il a eu chaud, hein. Ça va? Pas de morsure? Je vais bien. Sauf que je suis coincé ici et qu'il me regarde comme une tranche de viande rôtie. Hugo, on devrait partir maintenant. Quoi? Pourquoi? Quoi? Il est dangereux. Toi aussi. Et moi encore plus. Mais on a besoin de lui. Hé hey, j'ai besoin de vous ici. Je... Bon, très bien. Amicia, regarde. Même, on peut pas le laisser quand même. De l'épisanguis. Tu as raison. Ah ouais, c'est vrai. Il est revenu. Arnaud. Ah, enfin. C'est Christo Jaune près de toi. Casse-en un bout et envoie-le-moi. C'est bon. Je suis prêt. Vas-y, envoie, frère. À ton signal. Hop. Voilà. Ça ne marchera pas tout seul. Je dois rajouter quelque chose. Pourquoi rendre ça volatile? Du salpêtre, peut-être? Voilà. Lancez de Doris. Essayons-le. Arnaud, tu vois ce point surélevé avec la manivelle? Quand je fais bouger les rats, tu fonces là-bas. Oui, si tu le dis. Let's go. Ça n'a pas du tout marché. Hé, hey, t'es sûr de toi avec cet appât? Il a raison. Maintenant. Vas-y, mec. Le sol est bizarre. Oui. Je sais pas ce que c'était, mais tu m'as sauvé la mise. On n'est pas sorti d'affaire. À quoi sert la manivelle? Aucune idée. On pourrait l'essayer. Ouah, mais il y en a trop. C'est quoi ce délire? Arnaud, vas-y, mec. Occupe-toi de ça. En avant. On dirait que tu pourrais utiliser ça, non? Avec ton arbalète magique. Amicia, tu pourrais tirer sur cette planche avec ton arbalète. Ça pourrait marcher avec de l'eau d'oris. Laisse-moi voir. Ok. On va tirer les rats avec, avec l'eau d'Oris. Ok. Carreau de Doris. Hop. Voilà. Ça devrait être... voilà. Dis-moi quand je peux relâcher. Viens, tu peux lâcher. C'est bon. Cours, ils y sont allés. Contact. On peut y aller? Non, il y va. Ok, nice. Dépêche-toi. Il y a quelque chose de collant par terre. C'est du sang. Les restes de leur proie. Oh. Et quelque chose qu'ils sécrètent, je crois. T'inquiète pas, c'est pas dangereux. Tu plaisantes? Je mettrai ces potes au feu. Allez, tu y es presque. Fichu. Et du coup, là? Saleté infecte. Je suis là. Oui, content d'être en vie? J'ai été de toutes les batailles. J'ai regardé la mort en face autant de fois. Mais ces petits merdeux, ils me donnent l'impression d'être de nouveau un bleu. T'es entraîné maintenant. T'es le roi de l'optimisme. Bon, il vous reste des tours dans votre sac pour continuer à avancer? Non, je ne vois rien sur quoi tirer.
Et je n'ai rien qui tiendrait assez longtemps. Non, non, il faut qu'on sorte d'ici. Attendez, j'ai une idée. Tire un carreau enflammé sur mon bouclier. Quoi? Mais il va brûler? Oh, c'est pas bête, ça. Il a vraiment l'air de s'en soucier. D'accord. Je vais le faire. C'est pas bête ce que tu dis, frérot. Let's go. Ah, je l'ai senti passer. Bien. Waouh, trop fort. Traînez pas. Let's go. On va y arriver. Je vous le dis. Dégagez de là. Oui. Waouh, trop bien, les gars. Regardez-moi ces lâches retourner dans leur trou. Ah, c'est ça. Reculez devant la puissance de la muraille. Tu vois, même toi, tu t'y habitues. Oui, c'est eux qui ont peur de toi maintenant. Bon sang, oui. Mais j'ai l'impression d'avoir le bras en feu. Mais c'est la muraille. Et la muraille a pris assez de coups comme ça, gamin. Mon corps est aussi fourbu que mon bouclier. Ah. C'est ça, la guerre. En vrai, je le trouve pas méchant, là, pour l'instant. Hein. Il est dangereux, mais... Tiens, encore un peu. Je l'aime bien. Oh, je vais tenir. En vrai, je l'aime ça, bien. Je sais faire. Allez, let's go. On va sortir d'ici, prendre le large avec le bateau et voir où ça nous mène. Mais par contre, je sais pas comment on va faire pour soigner Lucas, pour soigner Hugo sur l'île. C'est bon. Et quelles sont les propriétés de cette île? Pas exactement. Juste une bonne tuée. On devrait avancer. En plus, comme indice, on a que le rêve de Hugo. C'est tout ce qu'on a. On n'a rien d'autre. Donc c'est ça ton bateau, frérot? Il est un peu éclaté, non? Oui. Il y a un établi. Elle a installé sa planque derrière ce bateau. Elle? Oui, Sophia, le scorpion des mers. C'est la chef. Okay. Elle a l'air effrayante. Moins effrayante que ces maudits rongeurs. On verra ça de nos propres yeux. Allez. On peut pas pour l'instant. On peut pas modifier. Donc c'est ça ton bateau, frérot? Ah non, c'est une épave. Attends, il faut que je jette une merde. Oh. Je peux pas passer, Zebi la mouche. Par là. Dis-moi, c'est bon. Ces contrebandiers, ils sont combien? Toute une bande. De la racaille qu'elle a ramassée dans toute la Méditerranée. Sophia est un peu leur phare dans la nuit. C'est une sainte pour eux. Et c'en est une, de sainte? Oh que non. Ok, nice. Quoi? Je peux pas passer? Mais what? Attends, je vais allumer ça. Voilà. Ok. Ça va s'éteindre. J'oublie trop qu'on a des trucs alchimiques, là. Voilà, des poids. Voilà, ça, pour allumer. I am in the shit. Mais merde! C'est de la merde! Non, je rigole. Allez, let's go. Je sais pas pourquoi je me suis fail. Ah, dégagez les rats. Dis-moi, ces contrebandiers, ils sont combien? Toute une bande. De la racaille qu'elle a ramassée dans toute la Méditerranée. Ok. Sophia est un peu leur phare dans la nuit. C'est une sainte pour eux. Et c'en est une, de sainte? Oh que non. Nice. Vas-y, on s'en fout du loot. On trace. Voilà. Je pense que c'est par là qu'il faut passer. Voilà. Wow. On est dans la lumière là. Grand ce bateau. Hey, t'as trouvé des traces de pas? Chut. Rien. Tu crois vraiment qu'il y a encore des rats? Cachez-vous. Des soldats. Regarde autour de toi. Cet endroit est un foutu labyrinthe. Écoute, si on ramène un ou deux contrebandiers morts, le comte nous récompensera. Oui, des soldats. Je m'occupe d'eux. Non, laisse-moi faire. Toujours pas confiance en moi, hein. Vas-y alors, je te regarde.
Alors attends. Moi en vrai. En vrai, je trace et je me barre. Hein. Oh, on peut pas. Je vais mourir là, non? Restez là gentiment, d'accord? Ok. On le follow. Il va se retourner un moment. Il se retourne. Le chien. Le chien! Les intrus, merde. Juste là. On fait quoi, Amelia? Tu vas mourir? Non, merde, j'ai lâché la torche. Merde, je suis con. Je suis con. Waouh, il est grand ce bateau. Hé, hey, t'as trouvé des traces de pas? Chut, rien. Ok. Attendez, on va tester un truc. On va passer par là. Hop. Du loot. Oui, voilà. Je m'occupe d'eux. Allez, dégagez les rats. Toujours pas confiance en moi. Hein. Vas-y alors, je te regarde. Ok. Ok. Mais comment je peux faire pour les fumer, les gars? Au pire, je fais ça. Regardez. Je fais ça, je prends la fronde et je le fume. Voilà. Mais tu peux faire mieux. En vrai, si je garde la torche. Non, mon pote, il va se faire fumer. J'attends qu'il revienne, l'autre. Faut attendre. Il faut attendre! Attends. Extinguis, ok. Il va revenir. Ou pas. Il revient. Il revient et quand on va lui éteindre sa torche là. J'ai hâte de voilà. Ma façon de faire. Ils se font non, fumer. Quoi, il y en a encore un? Non, c'est bon normalement. Je crois que c'est bon. Ok les gars, on continue d'avancer. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. On avance en même temps, tranquillou. On avance. On va s'arrêter là pour cet épisode. Je pense, j'espère en tout cas que vous avez vraiment kiffé. Allez, dégagez les rats, dégagez. Attendez, il faut que je le fume lui aussi. Voilà, j'accroche le truc. En tout cas, les gars, je sais pas si je le fume d'abord. Avant d'arrêter cet épisode, en vrai, j'ai envie de le fumer. Vite fait. Voilà, tu vas mourir. Les gars, on va s'arrêter là. Oh, elle peut être assez imprévisible. Non, il faut qu'elle soit là. On va s'arrêter là pour cet épisode. Bien sûr, je me fais couper mon outro. C'est génial. J'espère que vous avez kiffé. On se retrouve très très vite pour la suite de notre aventure sur A Plague Tale Requiem. Ce sera l'épisode 9. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner et à activer la cloche. On se retrouve très vite. C'était Silver. Ciao, ciao.